Bonjour à tous, c'est Argonaut 2008, nous voilà de retour sur Tomb Raider. Santanas de B avait commencé cette série et malheureusement, comme c'est la tradition sur certaines séries sur la chaîne, il l'a laissé un peu en plomb. Et moi ça me saoulait parce que je voulais voir la suite, étant donné que c'est un jeu qui m'intéresse énormément et l'esthétique de la joueuse que vous avez vue dans le trailer n'y est pour rien. Mais c'est un jeu que j'adorais faire une fois sur Xbox One, et étant donné que je me suis toujours pas farci une Xbox One, j'ai décidé, avec ce nouveau PC qui tient quand même vachement bien la route, de vous le faire dessus. Comme ça je me fais un plaisir de le jouer sur PC. Alors moi je vais le jouer à la manette, hein. Tomb Raider, je vais pas du tout le jouer au clavier, désolé pour les puristes. Je trouve ça plus sympa, je suis habitué à jouer avec la manette des jeux d'aventure. Donc on va directement enchaîner une nouvelle partie. Donc j'ai que quelques scènes que Santa a fait qui me sont encore dans la tête, surtout au début, mais après je vous avoue que je connais pas du tout l'histoire. Donc on va voir les reboot très très connu de Tomb Raider, le succès qui a été de ce jeu. C'est parti. Alors créer une nouvelle sauvegarde, parce que je pense que c'est la partie d'Astréon en fait que j'ai dû récup. Alors continuer. Voilà, on joue normal. Un célèbre explorateur a dit un jour, c'est parti, les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Je la trouve jolie. Je trouve qu'ils ont vraiment fait la meilleure Tomb Raider qui existe. Y a pas à dire. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Ah, il en jette quand même. Bon, c'est pas des phases de jeu, hein. C'est une cinématique, mais même comme ça, elle en jette vachement. Ah, la manette qui vibre. Ah putain, ça vibre beaucoup. On est vraiment dans le jeu déjà là. Alors je l'ai mis en. J'ai même pas mis en élevé, je l'ai mis en ultra. En ultime, non, il y a plus haut que l'ultime. J'ai mis en ultra les graphismes, même les ombres. J'ai vraiment tout poussé au max. Ça fera des grosses vidéos, j'en veux, c'est pas grave. On va essayer de jouer des sessions d'une heure, si possible, ou en finissant un chapitre aux alentours d'une heure. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce jeu. Putain, le coup. Attends, va pas dire qu'ils l'ont pas entendu. Ah ouais, cette scène me dit quelque chose. Ah, il en jette quand même. Il sait vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Mais c'est bizarre, parce que je pensais qu'il y avait quand même un peu plus d'histoire au début, mais en fait pas du tout. Je peux rien bouger, je peux que... Ouais, c'est passé le début, je peux juste que ressentir les vibrations, et puis c'est assez violent quand même. Putain, ça commence à me faire peur dès le début, ça va pas le faire. Alors, bon bah, ma chérie, vu tes cheveux, t'es à l'envers, t'es dans un endroit pas très sympa. Alors ça, je crois que j'avais vu, même avant que Santa joue, j'avais vu ça dans le trailer. Ah, je peux bouger? Ah, je peux déjà bouger, ok. Si ma mémoire est bonne, il faut donner un coup. Il faut que je me libère.
Deux secondes, chérie. Voilà. Merde. Je peux pas mourir comme ça. Mais on va pas mourir, très cher. Alors attends. Là, il y a tout qui s'enflamme. Ça part un peu en couille, là. Alors, moi, je peux toujours bouger, mais je sais pas dans quel sens je dois aller. Est-ce que... Ça va faire mal. Est-ce que j'essaie de me cramer, moi? Ouais, ça a l'air de marcher. Ah oui. Ah, cette scène, elle est horrible. Ah, j'ai mal pour elle, putain, ça va faire juste tellement mal. Ah, putain, il est où, mon X? Ah, mais tu souffres avec elle, bordel. Ah, je déteste les trucs comme ça. Ah, je peux jouer, en fait. Le truc, c'est que je sais pas quand je peux jouer ou pas. Alors, ah, c'est bon. Allez, relève-toi, ça va aller. Un peu de doliprane et puis c'est bon, hein. Oh. Non. C'est ça qui te choque? Tu viens de marcher sur des tonnes de cadavres. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, on remarquera vraiment l'esthétique du jeu qui est juste magnifique. Bah, on continue. Alors, je suis à fond là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un mec, c'est une femme, c'est une femme. C'est une femme morte. Elle est morte, là. Je pense qu'elle est morte. Une torche. Les objets recouverts d'un tissu blanc peuvent être incendiés. Ok. Le feu. Ok. Alors vraiment, je découvre, mais... Je pouvais pas attendre la version remasterisée pour la Xbox One, donc je sais que je vais me spoiler le jeu, mais que j'achèterai sûrement quand je me prendrai une Xbox One, parce que c'est une autre version du jeu. C'est pas celle-ci, en fait. C'est une version totalement différente. Il a dû m'entendre. C'est pas vrai. Alors, j'aime pas, chaque fois qu'on va passer dans l'eau, elle finira toute mouillée. C'est pas du tout pour attirer les fanboys hein, de ce genre de jeu. Appuyez sur LB. LB, c'est celui-là. Ah. Genre, elle a un putain d'instinct magique ou quoi? Ok. Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah, tu veux que je le brûle? Ok. C'est ça que tu veux, on va brûler des trucs. Ça va péter. Ça va me péter à la gueule, ça. Je le sens pas. Attends, reste. Je peux pas fuir, là. Merde, j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin. En fait, j'avais peur que ça me pète à la gueule, donc... Honnêtement, je me voyais moyen de rester là. Là, j'ai peut-être bien fait. Alors. On peut pas... On peut pas courir en fait parce qu'on est quand même assez amoché. Oh putain. Il y a tout qui va se casser la gueule. Hop! Tic-tic-tic-tic! Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Lâchez-moi! Mais dégage! Reviens! Je veux juste t'aider! C'est fini! Tu sais, la voix qui te rassure tellement pas! Reviens! Non. Faut que j'avance! Je joue là, non, là je joue pas, là c'est elle qui joue. On va passer dans l'eau. Voilà, c'est magnifique le feu. Alors je peux juste avancer. Allez, crâne et tout, c'est putain de bien fait. Alors le feu qui touche la pierre, c'est magnifique. Ah, ça c'est pas mal, chaque fois qu'on va être blessé, sali et tout, chaque fois qu'on passe dans l'eau, elle redevient toute propre. Et voilà, elle est toute propre, comparée à avant. On a une volonté de faire, trouver une sortie. Alors là, il y a beaucoup de trucs qui explosent. La marée. Il faut que je sorte d'ici. On va qu'on explique là.
Je vais essayer de grimper là. Arrive pas. Pourquoi tu arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Pourquoi tu sautes comme une merde? Ah voilà. Ah, merci mon Dieu. C'est juste du feu hein, comme toi. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Je sais pas, mais quelque chose me dit qu'il faut faire. Pour voir la suite. Putain, dès qu'il y a un truc qui bouge, maintenant j'ai des boules. Alors, je pense que je dois faire cramer tous les trucs qu'il y avait là-bas au fond. Y. Putain, elle est forte. Il faudra que tu m'expliques. D'accord, faudrait que je mette quelque chose là-dedans. Peut-être un baril ou... Putain, est-ce que j'arrive à choper le truc là-bas? Ah, attends, voir. Ah bah voilà. Si ça bloque les tonneaux, c'est bien qu'ils servent à quelque chose. Oh merde! Attends, tu vas pas me dire que tu peux pas prendre des tonneaux? Fous le feu. Ça a pas l'air marcher des masses. Mais faudrait que je mette ça là-dessus. Il faudrait que j'ai un levier. Quelque chose qui ressemble à un levier. Est-ce qu'on a un levier? Non. Bloqué. Mais à quoi ça me sert ce truc du coup? C'est ça que je piche pas. Ah, on est d'accord, il faut que je le mette là-dedans. J'ai voulu faire un truc instinct de survie. Oui, j'ai compris. Ah, attends. C'est juste des caisses, à chaque fois il y a des caisses qui arrivent. Pourquoi? Pour faire ce gros saut. Alors, je vais essayer de faire un grand saut puis là. Voilà. Ah ok. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup, mais ça doit être suffisant pour faire ce que je veux faire. Allez là. Tu peux le faire. Tu donnes un bon coup là-dedans. Allez, tape dans le fond. Hop. Allez, on y va. Il faut qu'il risque de me tomber sur la gueule. Non, non. Il y a tout qui me tombe sur la gueule. Alors, je vais peut-être me bouger le cul avant de me prendre un caillou. Gauche ou droite? Ah, pas le choix, droite. Ah, putain, ça bouge. Allez, vas-y. Non. Ah, je peux la contrôler. Ah, merde. Aïe. T'arrêtes pas. Cours. Cours plus. Allez. Vas-y. Cours pour sauver ta vie. Oh putain. Il est encore là, lui. Tu vas me foutre la paix, bordel de merde. Ah merde. Ah mais... Elle est morte. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Bon. Faut appuyer très très vite. Bon, je savais pas sur quel bouton non plus ça allait être le cas, mais... Alors, à moins qu'il me fasse le coup, ça devrait être Y. Voilà. Bon, il y a une chier de QTE, faut que je fasse gaffe. Oh putain, les chemins ils se resserrent. Oh putain, ça resserre. Saute.
possible, Smith, c'est une savonnette. C'est lesquels? C'est ceux-là. Allez, vas-y. Oh, oh, oh. Putain, mais tu sais jamais quand ça va être des QTE ou quand c'est des cinématiques, c'est horrible. Ah si, quand même, il te prévient un chouïa avant. Allez, touche ton cul, Lara. Ça, c'est pire qu'Aladin quand il sort de la caverne, quoi. Ah, la pauvre. Mais attention, les cheveux restent impeccables. Je sais pas quel est son shampoing, putain. Oh, tu te la gueule. Oh, elle a pris cher. Oh putain, elle a pris cher. Ah ouais, c'est quand même beau, ça a quand même de la gueule. Il y a de l'XP, il y a des niveaux. Et là, je saute dans le vide. Putain, je peux en plus. Je peux ou je dois, je sais pas. Bon, il y a des canaux de sauvetage en bas, peut-être que je devrais aller en bas, je sais pas. Putain, elle a pris cher la mission. Un arbre. Le canot de sauvetage. Ah, tu vois, bon réflexe. Ils ont dû avancer dans les terres. Bon, allez. On a des heures et des heures de Minecraft, on va être capable de survivre. Oh putain, je le sens pas là, le truc. Je le sens mal, alors tellement pas. Ok, doucement. Comment est-ce que je peux jouer? Putain, mais te dis pas. Ah oui, je peux aider. Wow, mais putain, mais t'es une savonnette, Miss. Va à gauche. Ton autre gauche. Wow, putain. Allez. Vas-y, trace. Plus vite on traverse, mieux c'est. Okay. Voilà. Putain. Stumis. Bordel. Allez, on continue. Allez, on va se guérir de tout ça. Ah. Qu'est-ce que je fais? Je descends ou... C'est haut quand même. Bon, je pense qu'il faut uniquement sauter. Allez. Hop. Allez Lara, on y croit. Alors si jamais c'est Alice David, celle qui faisait la fille dans... Bref, qui a fait la voix française, je sais jamais, hein, Cocorico. Ah, je peux jouer. Oh putain. Ah oui, ça c'est une autre scène, je me rappelle. Putain, même un simple saut, la mise, ça lui fait mal. Et tu veux que je fasse quoi? Ah oui, elle veut escalader ce machin. Oh putain. Sérieux? C'est haut quand même. C'est très haut. Allez, on y croit. Mais c'est une savonnette, la miss. Oh, putain. D'accord, si tu veux. Mais d'accord, tu voulais que je saute là-dessus. Oui, on est d'accord, je dois aller là, merci. Alors, soit j'ai mal évalué la distance, allez, vas-y, cours un coup. Putain, mais je suis pas loin, et pourtant j'arrive pas... Allez, vas-y. Ok, allez. Vas-y. Allez, là, allez. Démerde-toi. On passe de ce côté, allez, vas-y. Sauter au côté, ok. Wow. Putain, mais c'est chaud les coups de l'épée. Non. Oh putain. L'aile, bordel de merde. C'est bon, j'ai passé. Oh, c'est serré là quand même. Oh, mais elle est horrible la caméra, elle vous pousse à aller vers la droite. Escalader un mur. Appuie sur A en plein saut pour escalader un mur.
fait ça, il faut avoir des putains de force. Mais ok, pourquoi pas. Le sac de Sam. Ah. Putain, qu'est-ce qu'il se pète une côte à chaque fois. Et maintenant Sam. Voilà, nouveau propre, grâce à la pluie, c'est pratique. C'est peut-être pas le moment de faire une vidéo. Ça, j'ai pas vu ce que c'était. Une radio. Sam ? Ross ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il faut que je la trouve. Alors, nouvel équipement. Suivez les traces des survivants. Alors, est-ce qu'on peut fouiller ? Par ma porte. Je sais pas, prends de l'eau. Tu dois survivre. Bon, apparemment, c'est pas plus important que ça. Ok. Allez. Oh putain, mais c'est une savalette là, mais c'est... Oh. Aïe, 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 aïe. Putain, elle a pris cher. Ah, c'est de la torture, quoi. Abritez-vous de la tempête. Ok. Et tu veux que je fasse ça où? Ah bah, là-dessus. Ah tiens. Voilà que sympa. Oh bah, je crois qu'on va rester là pour la nuit. Hein. Oh, tu vas être glacé. Là, il y a un début de feu de camp. Bah, fais un feu, quoi. Voilà. Bois un peu d'eau. La miss, elle va mourir de froid. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. T'es dans la merde, chérie. C'est horrible, t'as une allumette quoi. T'as pas intérêt à louper ton coup. Voilà. Allez, le jeu est prenant en tout cas. Ça va aller. Tu vas retrouver tes copains. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Et vas-y, allez, rattrape-le. Non, non, mais c'est ta chance, là. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross.
Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai. Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Elle est chouette, l'ambiance. Ça donne envie, hein. La Miss, elle va culpabiliser, elle va se pendre, en fait. Fin de premier épisode, fin de la série, Lara Croft s'est pendue après avoir sûrement envoyé tous ses amis à la mort. Je peux pas rester là, rien faire. Chercher de la nourriture. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Ouais, t'as un oiseau, là. Putain, la Miss... Oh, oh. Mangez, 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 mangez. Oh mon Dieu. Le pauvre homme. Ah. Hé, cet arc me sera utile. Les nains pour chasser le cerf. Il faut déjà que j'arrive à choper ce mec. Alors attends. Analysons le coin. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, bon, les flèches au moins elles sont pas difficiles à choper. Elle les a chopées là? Elle les a mis où? Je fais un peu le tour des environs histoire de voir. Où est-ce que je mets les pieds? Je peux pas chasser à main nue. Il faut que je trouve une arme. T'inquiète, on va trouver. Je peux y arriver. Allez, vas-y. Allez, Lara. Vas-y. Ah, c'est à moi d'y aller. Ouais, voilà. C'est dégueu. Ben... il est mort, il va pas te... Ah, ça c'est badass. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. Maintenez... La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. Alors, déplacer et tuer un seul d'apprendre à maîtriser une arme. Alors, il est parti par où, notre ami sert? Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Mais t'inquiète pas, on va trouver à manger. Faut juste que je sache où est passé le cerf. Alors attends, peut-être qu'il est passé par là. Ah, c'est passé de flèche. Oh, cool. Allez, on va se la faire. Les gars, putain. Oh merde, je crois que c'était par là que j'aurais dû monter. Attends, je peux repasser par là. Allez, concentre-toi. C'est pas évident, les troncs. On passe le plus vite que tu peux. Voilà. Il y a encore des flèches. Putain, il y a des flèches partout. Je peux pas buter un oiseau, au sérieux. Moi, ça me va, hein, niveau bouffe. Merde. Franchement, c'est un oiseau qui se pose. J'essaie de le flinguer à la gueule. J'essaie de le flinguer. Faut juste que je trouve un oiseau par terre. Ah, te voilà. Alors, je suis désolé, mon gars. Merde. Désolé. Arrête de bouger, arrête de bouger. Oh, putain. Est-ce qu'on peut récupérer la flèche que j'ai mise par terre? Merde, on peut pas.
Toi, t'es un peu fou aussi. Voilà. On a à manger ce soir. Allez, descends. Maintenant que je veux tomber, j'arrive pas. Normalement, là, je devrais me mettre péter les deux genoux, mais c'est pas grave. Cool, il y a mes flèches à côté. Je suis désolé. Désolé. Il faut que je mange. Allez. Pourtant, j'ai visé le cœur, hein, donc on peut pas dire que j'ai pas visé le cœur. Désolé, mon gars. Putain, elle a mis sa faim, quoi. T'aurais pu choper un oiseau, hein. Un cerf pour bouffer juste un steak. Retourner au camp avec l'avion. LV. Non, pas LV. Écoute, Lara. Tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et les étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Ça, c'est pas encore dit. Je récupère des flèches, c'est toujours sympa. Ah, des oiseaux. Un lapin. Merde. Bouge pas, petit lapin. Même. Oh, j'ai chopé celui-là. Oh, attends, il y en a un là. Merde, il m'a vu. Bouge pas. Voilà. Et deux lapins pour ce soir. Oh. Putain, mais plus de bouffe ici que dans un McDo. Donc j'imagine qu'il faut aller par là, parce que je connaissais pas ce chemin. C'est quoi mes objectifs? On peut voir. Ah voilà, comme... Oh. Camp 1 sur 3. Ok. Camp de voyage rapide. Ça, je sais pas encore. Ok. Bon, on va faire le tour. Retourner au camp avec la viande. Non, il faut que je retourne là. Ah, mais je peux pas. Si tu peux. Ouais, mais après, tu peux pas. Filtrer. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par filtrer? Bon, je vais pas faire plus pour l'instant. Mais je sais qu'il faut aller dans ce sens. Oh putain, mais il y en a de la bouffe là. Mais attends, là, ça fait. On a mon. J'ai mon stock. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Tu vois pas vraiment ton stock au fait. Putain, mais je vous jure qu'un deuxième ça me tente. Ouais, économise tes flèches. On va pas tuer pour tuer. Économise tes flèches. On va essayer de revenir en arrière. Vous mourrez pas ce soir. Par contre, le lapin, désolé, mais ça me donne envie. Voilà. Par où j'étais allé? Par là. C'est vrai qu'on se perd assez vite quand même dans cette forêt. Pardon, petit lapin. Je ne te tuerai pas ce soir, promis. Ah, des flèches. Retourner au camp avec la viande, mais oui. Il manquerait plus que la viande pourriste. Logiquement. Voilà, ma mémoire est bonne, c'est par là. Ça m'a l'air trop simple, j'ai sûrement rencontré quelques problèmes en chemin. Ah bah non, en fait c'est bon. Alors, tes pensées vous pointent compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Ok.
Alors, survivant, feu de camp, compétence, tatata, novice, maîtrisez 7 compétences supplémentaires pour débloquer le niveau 2, vétéran. Une meilleure observation vous permet de repérer des animaux et des sources de nourriture difficiles à trouver. Maîtrisez. Ok. Ok. Expert en survie, vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Ok. Collecte de matériaux, fouillez les caisses et les caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Ah, mais je le maîtrise pas encore. Je peux choisir, c'est ça? C'est ça, en fait, je pense. Percepteur macabre, fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Recyclage, les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. J'ai peut-être ça. Voilà. Récupérer des matériaux en fouillant les cadavres d'animaux, c'est plus utile peut-être que de savoir faire des flèches. Parce qu'avec ça, je peux peut-être faire des flèches. Alors, requiert un point de compétence. Ok. J'ai pigé le concept. Fouille. Agilité d'escalade. Course d'orientation. Cartographie. Ah, mais c'est très complet. Alors. Chasseur, survivant. J'essaie de comprendre ce que je dois faire en fait. Fermé. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, Sarah, tu es en vie. Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Ouais, je me fais un petit cerf. Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était c'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Putain, y a mon chat qui vient de sauter sur le bureau à côté. Mais tu m'as foutu les boules, Kara. Alors, marche pas sur le clavier. Marche pas sur le clavier. Trouver un moyen de sortir de la forêt. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la map? Je dois aller là. Bon, bah, on reprend le même chemin. On revient au camp, là, qu'on avait trouvé. De la musique? Ah, c'est pas juste du bruit de fond. Il y a vraiment de la musique. C'est une manière un peu bizarre de courir, mais... Il y a des flèches partout dans ce jeu, ou quoi? Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Je marche sur un cadavre. Oh! C'est pas que j'ai pas confiance, mais... Rassurant. Wow. C'est pas vrai. Ok. Bon, si j'étais toi, je lancerais peut-être la torche. Histoire de voir où ce qui t'attend. Ok, descends comme ça. Là, je peux bouger la cam quand même. Mais non, descends. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ces symboles? On est deux à se poser la même question, chérie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? T'es armé. Ça ne peut que bien se passer. Putain, il y a des cadavres partout. Oh non. C'est de la folie. Alors après, te balader avec une torche, c'est peut-être pas le meilleur... C'est quoi ça? Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon.
Pourquoi ça vibre ? Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Pourquoi ça vibrait ? Ok. Ok. C'est quoi ? J'ai découvert un... une relique ? Ok. Ah, tu peux voir le point que tu vises, c'est juste, hein. Ok. Il faut foutre le feu à ce machin. C'est des morceaux de viande. C'est quoi, boucherie cachère du coin ou... Y'a rien, on est d'accord. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Ah oui, il faut la petite pioche. Il faudra qu'on se rappelle de revenir ici. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse. Ah, ça donne envie. Ah bah tiens, la pioche. Penser à la désinfecter, je pense. Ah bah voilà d'où vient la musique. Sortez du bunker. Très bien. Voilà. Encore de l'eau. Oh putain. Cette mise passe son temps dans l'eau, quoi. Allez Lara, on s'accroche. Ok. Ah mais je suis revenu. Avec ton arc qui pointe. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la reine solaire. Oui, Inigo. Je sais pas, on se prend pas dans les bras, rien. Plus. Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Miko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Miko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Oh.
Bonjour. Mathias ? Sam ? Ah putain, piège à loup. Sam ! Mais quelle idée. Ah putain, la cheville. Oh. Ok, t'es peut-être pas seul. Protège-toi. Je peux pas bouger, bordel. Qu'est-ce qui va arriver? Putain! Je ne me rendrai pas comme ça. Allez! Viens chercher. Putain. C'est bon ? Il y en a d'autres. Attention. Très discret. J'ai pas compris pourquoi elle a flingué au fait. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec moi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Ok, me laisse avec le bleu service, quoi. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai un peu j'ai mal. Besoin de me reposer une minute. Mais profite pas pour pleuter, hein. Moi, je sens que lui, c'est un méchant. J'aime pas sa tête. Très bien, ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Il va vouloir se la faire. Alors, continuez à avancer. C'est pas si mal. Merde, j'aurais peut-être pas dû appuyer là-dessus. Attends. On établit un périmètre. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Ils l'appelaient la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. Cool. Ok. Bon, j'ai peut-être loupé des trucs, mais... Je sais pas si on peut sauvegarder. On peut sauvegarder où on veut ? Non, ça reprend au point de contrôle. Alors, est-ce qu'on s'arrête là ? Ça fera un gros premier épisode, je pense. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'on va repartir à ce stade. Sur ce, c'était Argonaut 2008 sur ce début tonitruant de Lara Croft. Ciao tout le monde, à la prochaine.